Salut les amis, aujourd'hui on est avec Jordan et on est de retour aux Trois Îlets et cette fois c'est avec plus de monde pour une petite session bateau RC avec le roi soleil. Brûle les yeux littéralement. Et puis les avions aussi, il y a des gros modèles. Il vient d'atterrir là le thermique. Ça va vous plaire. J'espère aussi. Et regardez les amis, derrière là, le petit bon casse oil qui attend. En 6S. Mais à l'eau, et oui, il sera en 6S. Donc je sais que mon ami berger de Martinique Modélisme, il va kiffer. Il attend de voir ça en 6S depuis un petit moment. Donc là, berger, poste. Et puis j'espère que tu vas voir la vidéo aussi. Et puis là, il a de la concurrence, le Lucas Oil. Il a de sérieux bateau. C'est ça. Ah ouais. Là, mon bateau, c'est rien à côté de ça. Ben les amis, justement, transition, on va aller voir ça tout de suite. Le petit Lucas Oil, comme vous avez pu le voir sur le bateau. Moi, je sais que c'est petit. Oh là là, FT007, les amis, Feilun. Préparé par YDP. Hein. Oh là là, on ne fait pas de schéma. C'est un petit préparateur qu'il y a au pays chez nous. Là. Gagne de leur performance. Exact, bientôt il y aura YDP Shop. On va aller voir le. Je ne sais pas c'est quelle marque, mais c'est The Gros Bateau d'Olivier. C'est pas, je connais rien dessus. Regardez, on va essayer de regarder. Il a trois moteurs en dessous là. Là, il a restauré. Et là, on va aller voir le bateau de Fabrice. Oui. Fabrice, tu tournes en quoi? En 6S. Regardez en les amis. En 3S, en 6. C'est un TFL, hein, c'est bien ça. Hein? Oui, c'est bien ça. Et c'est quel modèle? C'est le Genesis. Ah ouais, le Genesis, exactement. Ouais. 121. Il est fin quand même pour un kata. Et puis là, il y a un Miss Geico. Ouh là 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 là, Miss Geico. Ah ouais, maman, super. Et là, regardez les amis, il y a un petit Zonta. Ah, je kiffe ce bateau là. Il est en twin, il a deux hélices à l'arrière, comme les vrais kata. Super. Regardez comment le propriétaire le bichonne. Regardez ça les amis. Deux hélices à l'arrière. Et nous a aussi emmené une petite fabrication maison. Il a imprimé en 3D. Oui. C'est moi qui marche sur les feuilles. Oui. Et regardez ça. Et tu avais une turbine, hein. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est une turbine. Et elle aspire l'eau et tout. On la voit tout au fond là-bas. Exact. Franchement, ça t'a pris combien d'heures pour imprimer ça? Oh, ça fait. Ça fait un moment que je l'ai fait. Ah, tu te rappelles pas? Je me rappelle pas. Ok. Je me rappelle super pas. Super en tout cas. Et comme d'hab les amis, le petit planteau. Super. Donc ben, il y a déjà le petit Miss Geico qui va se mettre à l'eau. Et Sylvio, tout le monde a retiré leur bateau. Il est où le tien? Ah ben le mien, je le sors dans un petit instant. T'es en mode paparazzi, voilà, là. Le chien arrivé, ils sont ses instincts de chasseur. Ah, super les amis, regardez. On fait un petit zoom. Désolé, hein, sur le bras, le zoom, il est en mode lent. Regardez. Hop. Oh, il est beau. Ah ouais. Obligé de le voir avec cette couleur flashy là dans l'eau. Regardez le gros bateau d'Olivier. Mon Dieu. Attends, tu es pris dans les herbes. Oh là là, les souvenirs reviennent là. Remonte là, l'émotion, Daniel. Ah, super. Enfin, toi, j'ai hâte de voir tous les bateaux dans l'eau là. Ah ouais. Fabrice, on m'a dit que c'est toi le plus rapide. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà, le plus rapide. Tu es ma bête, Olivier. Il est coincé dans l'herbe. Maman, les amis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le petit Lucas Oil va donner en 6S. Hein. Et il tourne en quoi là, Sylvio, si tu peux me renseigner? Il est en 6S. Au 6S. Ah ouais. Voici le killer là, le killer. Le commandant Fabrice. Le Genesis. Le Genesis. Mmh. Tout le monde d'accord. Ah bon? Allons voir ça. T'es sûr, Fabrice? C'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne, voilà, à part du drift. Du ouais. On voit sur la vidéo, t'as vu, pas sur la gâchette. Et il y a un petit truc jaune là, faut faire attention. Là, regarde, un tout petit truc jaune. Mon, Jordan, t'es pas en reste non plus, niveau accélération. Ouais, mais là. Ça passe, hein? Ah ouais. Et puis le Miss Geico déplace, hein? Ah ouais. Ah ouais, ils ont menti sur Fabrice. Ils ont dit que c'est Fabrice le plus rapide.
Le truc là, ah ouais, maman, et je vais pas faire rouler mon bateau, moi. Ah non. Ah ouais, non. Voici le vrai monstre. Et vous n'avez pas encore vu en vrai le monstre. Ah, il arrive. Je suis en train de dire, ben, le monstre, il est là-bas. Regardez le monstre arriver là. C'est un Zelos. C'est pas la version Twin. Mais il est énorme. En 2x4. Donc là, il va tourner en 8 tests, les amis. Et regardez ce bateau là. Je peux vous dire qu'en termes de largeur, il fait 2 fois ça en largeur. Ah ouais. Sauf que moi, je préfère le horizontal. C'est un Twin. C'est comme les vrais. Vous voyez? Oui, 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 oui. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui veut le. Qui veut faire passer un message à notre là. Aïe, 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 les amis, ça devient chaud là, les amis. Du lac, on a les commissaires qui surveillent la régularité. De... C'est ça, ouais. La régularité de... Mettons-nous parce qu'il y a un lot là, je filme. Oui, 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 ben ok, ben voilà, Jordan se propose de attends, filmer. Je vais juste déposer mon donc, vais... Il a bien envie. Ah, oui, regardez, les amis. Au bot Zelos, mon Dieu. Vous voyez comment il est énorme. Regardez son arbre. Magnifique, ah ouais. Donc les amis, il pleut un petit peu. Donc je vais faire une pause puisque le bras DJ ne résiste pas à l'eau. Donc voilà les amis, là il pleut moins. Et regardez ça, l'énorme Zelos. Ah ouais. Le Lucas c'est pas encore. Ouh, il est pas encore tout à fait prêt. Et comme il a plu dessus. Et comme il a plu sur le Lucas, donc là il faut que je les suis. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une lipo qui prend feu. Ah, allez voir ça les amis, je crois qu'il y a un souci de batterie là. C'est sûrement la batterie, la lipo. Ouf ça. Non, non, pas fini. La lipo. Ah, elle est finie. Attends. La batterie ou vous la débrancher rapidement? Ouais, débranche parce que... Non, mais est-ce qu'on peut débrancher? Allez ça, allez tout. Voilà, non, c'est bon, c'est débranché. Non, mais les deux ensemble. Non, les deux, enlève, débranche, débranche, enlève. Débranche, débranche. Débranche. Et puis enlève-les du bateau. Enlève du bateau, enlève du bateau. Parce que... L'odeur, c'est toxique, non? C'est batterie, enfin, faut pas rester longtemps, mais. La batterie, je pense. C'est la même chose, là, quoi. C'est la batterie, enlève la batterie. Tu n'es pas prêt avec ton bateau, bâtiment, quoi. Exactement. Je tenais à mon attention. Elle a collé là, quoi. Comment tu vas me arriver? Et tu verras, tu auras une belle odeur de brûlé dans ton bateau. Ah ouais, elle fait des petites bulles. Votre youtubeur préféré en pleine préparation sur son Lucas Oil en action. Tu es prêt, Dylan? Donc on tourne en 6S, c'est bien ça? Exact. Ok. Tout fonctionne, test radio? Ok, super. Allons voir ça en action. Les flops là? J'ai pas essayé avec les flops. Ok, d'accord. Donc, mais tu n'as essaye pas doucement au début. Pour non, pas, encore, ça. Pas encore. Ok. Hey, Dylan. Oui. Ah non, c'est bon. Où ça? À tes pieds à gauche. Ah, oui. Donc voilà les amis, en 6S. Oh là là. Hey, non, Dylan. Ah non, mais c'est trop puissant, frère. C'est trop puissant. J'ai à peine fait ça, frère. Non, c'est progressif. Non, mais j'ai fait progressivement, mais là... Ah non, j'étais. Qu'est-ce que c'est pas... J'ai même pas vu moi. J'ai juste fait. Non, mais ça fait quoi? Ça cabri. Attends, je baisse le screen pour te le montrer. Il est trop léger. Regarde, j'ai juste fait ça. Ça. Ok. C'est violent. Alors, Dylan. Ah merde. D'accord. Regarde, posez de la graine. Ah, mais là, je pourrais la foutre à fond. Si t'as pas, t'as pas besoin. Ah, oui. Pas du tout, mais si. Ah ouais. Oui. J'ai loupé. Les amis, l'opération sauvetage a réussi. En partie. Donc là, je ne veux pas vous mentir, trop puissant, c'est abusé, je peux pas accélérer vraiment. Voici le Lucas, bon, on a le soleil en plein, on va essayer de filmer quelque chose. Ok, bon, vas-y Dylan. Bon les amis, je peux pas vraiment vous montrer la pleine puissance, parce que une fois que le bateau a bien déjaugé pour accélérer, bah, ouais, c'est le moment, il a pas assez de distance. Bon, on va voir, donne le meilleur. Ah oui, là on... Là j'étais à tout, là j'ai plus le faire. Ouais. Et ça accélère toujours, mais c'est trop court. Hein. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu là? Ok. Et puis là il y a 3 espèces de colonnes. Faut faire gaffe ou pas. Allez go.
Ah oui, là on a entendu des petites... Ah ouais, si j'avais pas lâché, j'aurais capoté comme ça. Là. Ok. Mais c'est bon, bon, c'est tout. Et ça joue pas. Oui, mais t'as raté, j'ai pu accélérer, vraiment. Et tu l'as débridé sur la radio? Oui, oui. T'as mis oui, à toutes, ok. Oui. Par contre, tu supportes pas les remous. Hein. Oui, oui, c'est compliqué. Hein. Ouais. Il a qu'un seul moteur. Oui, il m'a dit. Un seul, oui. Ouais. Amis, c'est ça. Obligé de lâcher. Un qui tombe dans le sens horaire et un anti horaire, oui. Je suis obligé de lâcher les amis. Oula. Ouais, j'ai eu l'accélération. Ça marche bien. Exact. Bon, j'essaie de descendre sans me vautrer. Bon, tu nous fais une petite conduite dynamique là. Il manque plus qu'un diesel là. Désolé pour le cadeau. Mais ouais, encore. Les gars. Ok, merci beaucoup Raymond. Merci Olivier. Le gouvernail est dans l'autre sens. Bon. Bon, je vais ramener l'exocet. Ok. Bon, je... Vous avez pu voir un petit peu Lucas Paul 6S. Bon, en tout cas, je l'ai bien pris. Hein. Ça vaut. On déguste. Hein. Ok. Bon, opération sauvetage. Voilà, on fait un petit retour sur Silvio avec son Vector SCR-83. Fait des dérapages sur l'eau avec. T'en es satisfait? Je suis satisfait, ça va. Il est... Alors, comme on dit, il m'en screen un petit peu. Ça veut dire qu'il tape. Donc je vais voir comment je vais. Ouais, on vient de le voir là, il vient de taper là. Voilà. Moi j'aime bien voir ça. Ah ben tant mieux alors. Bon, mais si c'est ça, ouais. Si il aime voir ça, regardez c'est comme ça. Surtout quand ça fait le bruit. Pêche, 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 pêche. Regarde ça. Il va vite. Et là ils sont. Ah ouais. Oh, mon... Et mais c'est... je sais pas ce que c'est ton bateau. Ton bateau fait parmi les plus belles gerbes d'eau là. Oui, c'est vrai qu'il a une belle gerbe. Hein. Il est... Comme ça, surtout quand tu tournes, ouais. Ouah! Et l'avantage, les amis, c'est qu'il a besoin de personne quand il se retourne. Exact. Il lui dit, tourne-toi là. Et puis c'est bon. Voilà. Et là, il y a un avion déchargé. Oui, c'est ce qu'on entend qui fait tit 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 tit. Et sinon, là, il y a un sauvetage de Zonda TFL qui. Ah ouais, il a eu mal. Quoi? Bon ben c'est fini là hein, voilà les gars, tant pis, c'est ce que j'allais dire mais on va s'arrêter, on sur, va s'arrêter ça. Sur ça. Merci beaucoup Dylan d'avoir filmé. Y a pas de souci. Donc ça y est les amis, c'est la fin de la vidéo. Franchement c'était bien. Un pied et le Lucas là en 6S. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu un truc comme ça en vrai. Franchement c'était ouf. T'as trouvé comment le petit moment Jordan? C'est très très bien, franchement on était plus nombreux que la dernière fois, il y avait plus de bateaux à voir, des petits comme des grands, des rapides comme des moins rapides. J'avoue, c'était cool. Il y avait des gros aussi. Ah ouais, il y a des petites cascades avec le. Comment il s'appelle le gros orange là? Le Zélos. Le Zélos, il y a eu un peu de Zélos. Ah ouais, non, il y a eu pas mal de choses. Et même moi, voilà. Ils sont pas passés loin. En fait, la personne dans l'ancien propriétaire. Ben, je pense qu'il n'a jamais réglé le SC et du coup ben, la coupure au lipo elle est vraiment basse. Et moi j'avais jamais. En vrai, dès que je sentais un manque de puissance, je retournais vers la berge. Mais là c'est vrai qu'avec la 6S, j'ai pas forcément senti qu'il y avait un manque de puissance. Et puis d'un coup, coupure au lipo. Donc je retournais comme je pouvais. C'est ça. Oui, parce qu'il y a des bateaux qui tournent toujours. Ouais. Et puis là, malheureusement, Jordan il a testé les batteries et il y a un petit souci de batterie. Donc il faudrait que je programme ça pour que ce soit safe ou. Si j'ai pas la possibilité de programmer, acheter des testeurs lipo tout simplement. Pour ça va sonner. Exact comme ceux que j'ai là. Ouais, on va leur montrer. Ce genre de petits modèles, mais bon, tout le monde les connaît, ils sont très connus dans le milieu du modélisme. C'est pas cher en plus. Voilà, vous le programmez, vous le branchez sur votre petite prise d'équilibrage. Voilà, et puis ça sonne bien fort et ça marque l'attention de chaque cellule. Bon, avec le balayage, on va pas le voir avec la radio, voilà. Ça c'est
personne puisque c'est trop bas. Ouais. Donc c'est ça qu'il t'aurait fallu. Exact. Donc je vais m'en acheter deux, au moins minimum deux. Excusez-moi de cadrer le t-shirt. Oui, il est joli, le pays du soleil, le vent, mais excusez-moi. Donc ben voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Boum. Et puis, attends, mais non, faut pas oublier la fin. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Des questions à poser, posez-les, on y répondra. Et puis là, je peux vous dire à la prochaine. Et puis je vais vous dire, boum. Allez, ciao.